toutes et à tous, chers internautes de Turf.fr, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 23 avril sur l'hippodrome de Gävle en Suède. Avant toute chose, retour logique sur le quintet de la veille qui avait lieu ce mardi sur l'hippodrome de Jägersro, toujours en Scandinavie. Comme prévu, Melby Drake, le grandissime favori, rend victorieusement la distance de 40 mètres et permet à la minute quintée de donner le quartet dans le désordre en 4 chevaux seulement, malheureusement pour des rapports très dérisoires. Du côté du concours de pronos gratuits, beaucoup donnent le tiercé quarté quinté plus dans le désordre. Mention spéciale à Brigadier 3, Amat et Marcel 60 qui s'octroient les 3 premières places du classement du jour. Bravo à eux 3. Allez, après un petit périple asiatique du côté d'Hong Kong, revenons en Suède et plus précisément sur l'hippodrome de Gävle. En ce jeudi 23 avril 2020, le prix Private Dancer 9e course de la Réunion 1 sera à l'affiche. Sur le parcours des 2140 mètres de l'anneau à main gauche, le départ sera donné à l'aide de l'autostart. Ils seront 12 trotteurs âgés de 3 à 15 ans à se regarder dans le blanc des yeux lors d'une épreuve où les favoris devraient logiquement briller. En première position, retenons la candidature de Falcon AM, le numéro 5. L'autre jour, ce Hong de 5 ans entraîné par la famille Linder n'a pas fait de détails en s'imposant plaisamment. Avec le talentueux Orian Schillström aux commandes et le 5 à l'auto, il doit logiquement confirmer. Dexter Brick, le numéro 10, est un élément trotteur âgé de 5 ans de grande qualité. Plaisant deuxième pour sa rentrée dernièrement dans un lot qui tenait la route, s'il se sort du numéro 10 à l'autostart, alors il ne va pas être loin de la vérité ici. BWT Ico, le numéro 2, a beaucoup de moyens. Âgé de 4 ans, il a tout l'avenir devant lui et trouve un bel engagement avec le numéro 2, donc derrière la voiture. À Jorma Kontio, son pilote de talent, de faire la différence. Attention au numéro 8, Unexpected, qui devra composer avec un numéro en dehors en première ligne. En valeur pure, il doit terminer dans les 4 premiers. Up to Me, le numéro 4, est une femelle de 5 ans ayant de très beaux moyens. Bien placée en première ligne, elle est en mesure de conclure à l'une des 5 premières places. David Jones Sisu, le numéro 7, viendra juste derrière et peut confirmer sa victoire obtenue en début d'année dans un lot de niveau moyen. Si non partant il venait à y avoir, c'est le numéro 9, Brozen in AM, qui entrerait alors en scène. Bon quintet plus à tous les amis et à demain pour une nouvelle minute quintet.